Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un petit vlog un petit peu particulier parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans un magasin où je me suis dit au dernier moment je vais filmer parce qu'il faut absolument que je puisse vous partager cela. Donc le magasin en question, je vais vous expliquer l'histoire en fait de ce vlog quelque part. Déjà, je tenais absolument à remercier Toy Kitsch que je dois croiser certainement prochainement parce que je dois lui donner quelques produits. Mais franchement, pour cette vidéo, il faut absolument remercier Toy Kitsch parce que c'est de lui que vient l'adresse et le bon plan. Je vous la fais courte. La semaine dernière, donc c'était le lundi, je sais plus, le lundi de mai 2018, je précise, il nous avait envoyé en fait des photos sur Twitter avec un déstockage chez Stockomani de Tortue Ninja, Mega Blocks, mais aussi des figurines, etc., etc. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure des échanges, il nous avait fait part du fait qu'il y avait une boutique Mattel, même un outlet Mattel. Et j'avais déjà entendu parler de cet outlet, mais je ne m'étais pas forcément renseigner plus sur la question et je lui ai demandé finalement où est-ce qu'elle est l'adresse. Donc vous regardez dans Google Maps, de toute manière je mettrai le nom exact avec l'adresse dans la description et j'y suis allé et en fait honnêtement vous allez voir, je pense que vous allez vous en prendre plein les yeux. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne de Toy Kitsch parce qu'il ne fait certes pas beaucoup de vidéos, mais il est assez actif sur Twitter. Enfin, comme je les appelle tous, la brigade du Toys, la brigade du jouet. Archeo Toys, Indiana Toys, Super Canard, Toy Kitsch. Je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne. Ils font vraiment des trucs très très sympas autour du jouet, des jouets. Et là, en fait, pour revenir à ce vlog-là, la boutique outlet Mattel, ce sont des jeux de société, ce sont des jouets, ce sont des poupées, des Barbie, des Hot Wheels, avec évidemment toutes les licences possibles et inimaginables que Mattel a pu dealer, Star Wars, DC Comics, Marvel, Cars, les Minions, les jeux Assassin's Creed, Halo, Call of Duty, les Tortues Ninja, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, Jurassic World, enfin... Je vous laisse découvrir vraiment ces images-là. Vous verrez, il y a des photos à la fin. On se retrouve juste après les images et on se fait un petit débrief. Allez, en avant. Thank you.
Alors ça va? Ça va, vous avez pu vous en remettre. Franchement, quand je suis sorti de cette boutique, j'étais complètement abasourdi. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir remonter ces vidéos-là. Alors, je tiens à préciser que c'est Choc Miel qui a filmé cette boutique parce que moi, j'étais vraiment trop occupé à regarder dans les rayons ce qu'il y avait, les prix, etc., etc. Évidemment, nous ne sommes pas sortis les mains vides. À l'heure actuelle, il y a déjà 2-3 boîtes de petites voitures qui sont parties dans les mains des monstres. Mais j'ai gardé quand même quelques trucs que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que franchement, il y a des trucs qui valaient vraiment le détour. J'ai fait de très très bonnes affaires. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, vous avez peut-être fait des arrêts sur image, ou vous avez peut-être des prix en tête sur certaines références ou sur certaines gammes. Ben, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de tout. Il y a de tout en matière de prix. Il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Il y a des trucs qui sont plus chers que dans certaines boutiques. Et il y a des trucs qui sont au prix, on va dire, classique. Mais comme vous ne les trouvez que chez eux, parce qu'ils sont en rupture partout, ou que la gamme n'est plus suivie, eh ben finalement ça vaut le coup. Donc en fait, l'un dans l'autre, vous vous y retrouvez. Typiquement, vous avez vu peut-être ou aperçu, il y avait des boîtes de Megablocks à 10 euros. Franchement, ça valait le détour. Des Barbie à 10 euros, ça valait le détour. Vous aviez aussi des Barbie de collection à 150 euros. Honnêtement, je ne connais pas le marché de la Barbie. Mais ça avait l'air vraiment de très très bonne facture et de toute manière, Barbie, bah, c'est un jouet qui reste quand même indémodable. Après, vous aviez aussi des jeux et des jouets de différentes saisons. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec les personnes qui tenaient le magasin, vous avez des arrivages de manière très irrégulière. Vous avez par exemple des gammes qui rentrent toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, et puis des fois, ça peut être une fois par mois. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils ont très souvent, ce sont les fins de stock. Donc, si vous les voyez dans le stock, faut les prendre. Sinon, après, ils sont pas sûrs de pouvoir en avoir. Typiquement, c'est extrêmement aléatoire puisque pour avoir vu une certaine gamme, le stock était le stock qu'il y avait en rayon. Mais ça faisait un an qu'il était en rayon. Il n'était pas vendu, il était mis un peu à part au niveau des caisses. Mais je sais que, bah, comme je disais à la caissière, je prends le risque. Peut-être que la prochaine fois, je reviendrai et ils y seront. Peut-être qu'ils n'y seront pas. Ils ne font pas de prix, même si vous prenez une grosse quantité. De toute façon, ils sont pris au plancher. Donc, il n'y a pas de décote, de solde, ni quoi que ce soit. C'est toujours le prix le plus bas imposé par la maison mère qui, d'ailleurs, est à 3 rues de cette boutique. Il y a des arrivages, donc vraiment n'importe quand.
Donc ce qu'il faut faire, c'est les appeler régulièrement pour savoir ce qu'ils ont rentré en magasin, parce que bah, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez finalement découvrir quand vous allez franchir les portes de ce magasin. Donc dites-moi ce que vous avez pensé déjà de ce magasin. Il faut vraiment remercier Toy Kitsch. Je lui avais promis de lui ramener des trucs. J'ai trouvé, il le sait, j'avais d'ailleurs eu l'occasion de l'appeler en direct pour lui dire « c'est bon, j'ai trouvé ce que tu veux ». Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé que les prix étaient chers, pas chers. J'attends vraiment vos réactions. Vous avez vu, il y avait la gamme complète Jurassic World, enfin du dernier film. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes petite voiture, vous êtes figurine? Vous êtes Megablocks. Moi, j'avoue que Megablocks, je commence vraiment à m'y intéresser de plus en plus. J'ai pas mal de trucs à vous montrer d'ailleurs en Megablocks très prochainement, avec des petites mini figurines compatibles Lego au passage. Petit teasing. Quoi qu'il en soit, bah, merci encore Toy Kitsch. Je vous invite vraiment aussi à aller voir les chaînes d'Indiana Toys, de Super Canard, d'Archeo Toys, enfin toute la brigade du jouet, comme j'aime les appeler. Ils font des trucs vraiment d'enfer. C'est kitschissime au possible, mais franchement, j'adore. On se fend vraiment bien la poire avec eux. J'aime beaucoup discuter avec eux sur Twitter. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup l'ambiance aussi qui se dégage. Je fais un petit clin d'œil à Thunder X, Winston's, etc. etc. Je vous invite vraiment à aller voir ces chaînes-là parce qu'ils font des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est une bonne poilade aussi quand ils font des lives. On se marre vraiment bien. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt pour peut-être un prochain vlog sur une boutique, on va dire, plus originale, je ne sais pas. Si vous avez des bonnes adresses d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager sur Twitter, à les partager dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir d'aller les découvrir pour vous, de les partager, envoyez-nous vos photos, enfin... Internet c'est fait pour ça, c'est le partage. Si vous avez des vieux nouveaux stocks, bah, ça peut être intéressant de les partager parce que franchement, il y a encore des vieux jouets qui existent dans des vieux magasins. J'y crois encore à ces légendes-là. On retrouve bien des vieilles salles d'arcade qui n'ont pas bougé depuis 10 ans et il y a encore tout à l'intérieur. Bah, pourquoi pas les vieux magasins de jouets? Je pense qu'il y en a encore beaucoup en France comme ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à me laisser tous vos commentaires, j'attends vraiment vos réactions. Dites-moi si vous connaissiez en fait ce magasin, parce que quoi qu'il en soit, ça fait 17 ans qu'il existe. Ça fait 17 ans que je passe à côté de temps à autre, sans savoir qu'il y avait une véritable caverne d'Ali Baba. Pour ceux qui connaissent le parc d'attractions ou centre d'activité, peu importe, Playmobil, bah, vous pouvez voir en fait la pub quand vous passez sur l'A86, c'est dans le sud de la région parisienne. Et ben, le magasin Mattel est sur le trottoir d'en face. Donc vous ne pouvez pas le rater. C'est vraiment hyper simple d'accès depuis l'autoroute. Donc moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, jouez bien. Et j'attends vraiment vos commentaires et allez voir les chaînes que je vous ai dit juste avant. Mettez-leur un petit mot, franchement ils seront super ravis. Allez! Ciao tout le monde et n'oubliez pas, j'ai une petite vidéo compte-rendu d'achat qui, à mon avis, devrait vous faire plaisir. Ciao tout le monde !